Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter la nouveauté dans la famille synthétiseur de chez Korg, bien sûr, le Chrome. Là, vous allez me dire, oui, mais Chrome, c'est une référence que je connais. Oui, oui, mais là, c'est le Chrome EX. Allons l'écouter. Sur le Chrome EX, vous allez retrouver 1536 programmes, dont 896 préloadés. Entre autres, un nouveau son de piano. Écoutons-le. Vous trouverez aussi en mode programme des nouvelles sonorités de piano électrique. Vous trouverez sur le Chrome EX, bien sûr, l'écran tactile, qui vous permettra de retrouver facilement vos sonorités. Korg, avec sa qualité d'échantillonnage, permet de retrouver aussi des sonorités vintage. En mode combinaison, vous allez retrouver 768 combinaisons, dont 512 préloadées. Le mode combinaison est le mode magique chez Korg. Pourquoi magique? Parce que vous allez pouvoir mélanger jusqu'à 16 programmes en même temps. Vous allez pouvoir régler sur chaque programme un volume, que vous pourrez bien sûr, grâce à l'écran tactile, gérer facilement. Et bien sûr, vous allez pouvoir aussi incorporer deux arpégiateurs avec le drum track. 5 inserts seront à votre disposition, plus le mode master qui vous permettra de rajouter encore des effets à votre combinaison. Bien sûr, vous trouverez en mode combinaison le mode split et le mode layer qui vous permettra rapidement et facilement d'éditer grâce à l'écran tactile. Bien sûr, le Korg Chrome EX est une Workstation, qui veut dire Workstation dit séquenceur. Vous allez retrouver aussi un séquenceur 16 pistes qui vous permettra de vous enregistrer très facilement. En mode séquenceur, vous trouverez une édition rapide grâce à l'écran tactile qui vous permettra de modifier en temps réel vos sonorités. La sauvegarde se fera en SD card. Dans la famille Chrome EX, vous trouverez trois modèles. Un 61 notes clavier léger, 73 notes clavier léger et 81 notes en clavier lourd.